Bon matin les amis, merci de m'accueillir chez vous pour la carte du petit déjeuner. Ça va? Carte du petit déjeuner de cette journée, donc de ce vendredi. Vendredi, fin de semaine pour certains. Pour certains, week-end de repos, pour d'autres, du boulot. Et puis voilà, ah, il va quand même mieux que l'autre, hein. Oui, celui-là c'était vraiment. Ouais, non, rien à voir. Rien à voir. Mais c'était un prototype, hein, celui-là, c'est pas. Bon, alors, une carte est sautée. La carte des festivités. Donc, on va faire la fête. On va. Voilà, festivités, on va fêter quelque chose. Ça peut être une surprise, ça peut être une invitation. Peut-être ce week-end, hein? Vous allez peut-être être invité quelque part, une organisation. Voilà. Alors, je mélange un peu bien parce que, à vrai dire, je ne m'en suis pas encore servi. Bien agréable à travailler, en tout cas. Franchement, il glisse bien comme il faut. Content, il glisse bien. Oups. Non. Il y en a beaucoup trop. Un petit paquet. Les énergies de cette journée. Et puis pour l'amour, mon Lenormand favori du moment. Celui-ci. Si je n'oublie pas, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous avez envie de l'acheter, les amis. Allez, on y va. Les énergies pour cette journée. Oh, un petit cochon. Voilà, économie. Alors, tirelire. Petite somme d'argent, petite dépense, petite dépense, petite sortie d'argent, petit achat, petite rentrée d'argent. Donc voilà, ce sera les énergies de cette journée. Alors peut-être que vous allez recevoir une petite somme, peut-être que vous allez payer quelque chose, peut-être que justement vous allez aller à une fête et que vous allez devoir faire un petit cadeau. Peut-être que. Alors, la tirelire pourrait parler aussi de vous remettre un petit peu sur les rails, ou plutôt de vous dire peut-être qu'il faudrait que tu économises un petit peu, que tu penses à mettre un peu de côté pour ceci ou pour cela, ou pour rien du tout, mais peut-être mettre un peu de côté pour avoir une petite pomme pour la soif, une petite poire pour la soif, je ne sais plus ce qu'on m'en dit. Qu'est-ce que ça pourrait dire? Oui, donc vraiment, une petite économie. Petites économies. Peut-être que vous allez recevoir aussi une petite surprise, de l'argent. Petite surprise. Quelque chose qu'on retouche. Quelque chose que. Voilà, vous allez peut-être retoucher. En rentrant tout à l'heure, vous allez peut-être avoir une surprise par le facteur. Hein. Vous allez peut-être avoir une bonne nouvelle dans la boîte aux lettres. Sinon, par rapport aux énergies, vraiment, peut-être que vous allez économiser aussi, mais économiser, peut-être comme c'est plus général, autre chose que de l'argent. Peut-être qu'il vous faudra économiser. Ça peut être de l'argent dans le sens où on ne perd pas son temps, parce que pendant qu'on perd son temps, justement, si on parle, si on va dire, on fait un boulot, et ce boulot, si par exemple on parlait un peu moins, ben, on pourrait faire deux ou trois fois plus de travail, donc on pourrait gagner deux ou trois fois plus. Ceci n'est pas du tout de la pour par avarice, hein, parce que ce n'est pas quand même une qualité, l'avarice, mais c'est tout simplement pour être plus rentable, parce que si cette carte sort et que ça vous parle,
eh bien, ça va dire que il faut quand même faire un petit effort, que ça vaut la peine et qu'on est en train peut-être de laisser partir un peu l'argent n'importe comment. Ou plutôt que l'argent ne rentre pas, peut-être assez. Qu'il pourrait rentrer un peu plus, ça pourrait dire ça. Donc ça va être des énergies plutôt comme ça, ou alors on va donc ça par rapport à vraiment l'argent, ou alors on pourrait peut-être penser peut-être aussi une opportunité d'un petit travail qui va s'offrir à vous. Peut-être qu'on va vous demander un petit service qui va être rémunéré aussi. Ça peut être ça. Ça parle quand même d'argent, hein. Ça parle quand même principalement d'une petite rentrée, d'une petite sortie, ou ça parle d'argent, donc ça vous dit peut-être il faudrait se remettre les idées en place pour ne pas continuer à dépenser, même si c'est petit, ben, c'est peut-être un peu trop. Il faut s'arrêter de dépenser. Voilà. C'est peut-être un petit peu ce que ça nous dit. C'est ce que ça nous dit. Maintenant, si vous êtes vraiment très, très, très radin et que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de pognon, eh bien, ça veut dire que vous n'en avez pas encore assez. Voilà. Voilà. Donc, pour les énergies, avec la tirelire. Alors, l'amour. L'amour avec Mademoiselle Lenormand. T'es pas belle, Mademoiselle Lenormand, mais c'est pas pour ça que. Tu fais, Sushi? T'arraches le bazar? Sushi, tu fais. Il se prend pour un chat. Il fait ses griffes sur le petit tapis. Qui doit accueillir le petit Oscar. Je crois que ce sera Oscar, finalement. Parce que mon mari veut vraiment que ce soit Oscar. Allez, l'amour pour vous. Les énergies pour aujourd'hui. On va couper. Et on va pêcher. Ah, ben voilà. Alors, aujourd'hui, il y a alors une personne du passé qui revient. Quelque chose du passé qui va revenir. Des nouvelles. Peut-être on va vous donner des nouvelles de quelque chose qui est en rapport avec le passé ou de quelqu'un qui est en rapport avec le passé. Cette personne-là pourrait venir vers vous. Vous pourriez peut-être vous aller vers une personne du passé. Alors, ça peut être aussi une personne qui va venir vers vous parce que vous attendez quelque chose. Donc, ce que vous attendez est en train d'arriver, mais plus doucement que prévu, plus lentement que prévu. Ouais, quelque chose qui arrive plus lentement, mais sûrement. Donc, si vous attendez des nouvelles, elles sont en train d'arriver. Si vous attendez une personne, des nouvelles d'une personne aussi, elles sont en train d'arriver. Maintenant, je dis ça, mais si vous attendez vraiment des nouvelles d'une personne et que au fond de vous, vous savez, voilà, il faut quand même pas prendre si vraiment c'est fini depuis un certain temps avec une personne et que vous espérez toujours, mais que vous savez quand même au fond de vous que c'est terminé pour de bon, cette carte, elle va pas dire que la personne va vous recontacter non plus. Il faut quand même être un peu logique, quoique, peut-être quand même que oui, hein, mais voilà. En tous les cas. C'est quelque chose que vous attendez qui est en train de revenir vers vous. C'est plutôt mon ressenti. C'est certainement quelque chose que vous attendez. Ce ne sera peut-être pas une surprise. Peut-être pour certains, ce sera une surprise, mais peut-être pas pour tout le monde. Ça va peut-être être une rencontre. Alors, avec les festivités, une rencontre peut-être que vous allez faire, ou quelqu'un qui va venir vers vous par rapport à la festivité, si vous allez peut-être revoir des gens de votre passé, si vous êtes invité par exemple à une cérémonie, peu importe, ouais, peut-être vous allez revoir quelqu'un, un ex, une ex, ou des ex-copains, voilà. Alors,
Alors, vous pouvez avoir aussi des nouvelles que vous attendez, mais c'est peut-être des nouvelles pas spécialement lors d'une personne. Ce sont des nouvelles par rapport à une situation, par exemple. Par rapport ça, il faudrait des cartes autour. Si on avait les cartes du travail, ben, c'est des nouvelles par rapport au travail, des nouvelles par rapport à de l'argent, des nouvelles. Ça pourrait être des nouvelles là, par rapport à l'argent, puisqu'on a. Peut-être que vous attendez justement là, une rentrée d'argent. Ça, c'est pas une grosse somme, hein. Mais peut-être que vous attendez une rentrée d'argent et voilà qu'elle va arriver. Ça, c'est possible aussi, que cette rentrée d'argent arrive. Et ça fait un petit temps que vous l'attendez. Donc, ouais. Ça me parle bien, ça. Alors, j'ai envie de dire, peut-être un petit contrat aussi. Quelque chose qui va vous rapporter de l'argent. Alors, ça peut être une petite somme d'argent, peut-être un remboursement. Peut-être aussi vous avez fait un achat, vous devez être remboursé, un truc comme ça. Peut-être. Mais il pourrait s'agir aussi de quelque chose qui vous apporte de l'argent, qui va vous rapporter des sous, qui est en train d'arriver vers vous. Ouais. Ça me parle mieux, ça. Ça me parle bien. Oui, des sous qui viennent vers vous. C'est peut-être même le remboursement de quelque chose qui vous est dû depuis tellement longtemps que vous n'y pensez plus ou que vous ne croyez même plus à le récupérer, à récupérer cette somme. Oui, cette somme ou cette peut-être. Ça me parle plus d'argent, hein, mais on pourrait dire, pour élargir, puisque c'est vraiment très général et que je n'ai qu'une carte, peut-être qu'aujourd'hui, on va vous rapporter quelque chose que vous pensiez avoir peut-être perdu ou quelque chose qui valait des sous, que vous ne saviez pas où c'était, mais ça va vous être peut-être rendu. Quelqu'un va vous le rapporter, ça. Voilà. Ouais, c'est peut-être ça. Ça me parle bien. Donc, moi j'ai quand même l'impression que là, c'est plus avec ça tout seul pour les énergies d'aujourd'hui. C'est marrant, j'ai pas fait l'amour. Ben, si, ça pourrait être quelque chose que vous avez perdu, quelque chose qui reviendrait vers vous. C'est peut-être tout simplement quelque chose qu'on vous avait offert, un cadeau qu'on vous avait offert, ou peut-être que même votre fiancé, par exemple, avait repris quelque chose, un bijou, et puis du coup. Où vous pensiez qu'il l'avait repris, et puis du coup, il va vous être rendu. Pourquoi? Bah, tout simplement, peut-être parce que la personne, vous allez vous remettre avec, ça, peut-être. Peut-être aussi, je vais faire comme ça, il se regarde. J'aime bien qu'il se regarde. Oui, donc, alors, si on va, oui, juste dans l'amour, parce que par moi, je m'éparpille parfois, moi, j'oublie que je suis dans l'amour. Là, si c'est juste dans l'amour, alors oui, c'est des nouvelles d'une personne, les nouvelles d'un ex qui pourrait arriver, des nouvelles d'une personne, une personne qui est en train d'arriver, une personne qui est en train d'arriver vers vous. Ou alors, on va vous donner des nouvelles d'une personne. On va vous donner des nouvelles d'une personne que vous aimez. En tous les cas, si vous attendez, donc justement, si vous êtes amoureux de quelqu'un, que vous ne savez pas où il est, ou voilà, vous allez avoir de ces nouvelles et peut-être en savoir un peu plus sur cette personne. Parce que peut-être vous l'avez perdu de vue depuis un certain temps, et ici vous allez peut-être voir un collègue de travail de cette personne, et puis vous allez pouvoir un petit peu en savoir un peu plus. Peut-être pour certains, il va ici y avoir un compte-rendu. Le compte rendu par rapport à peut-être. Je vais encore exagérer là. Vous avez pris un détective ou vous avez demandé à votre copain qui surveille votre femme parce que vous croyez qu'elle vous trompe. Alors vous allez avoir une réponse. On va revenir vers vous pour vous donner une réponse, par exemple. Alors si vous êtes célibataire, eh bien j'ai envie de dire que franchement, peut-être soyez vigilant parce que la personne, il y a une personne qui vient vers vous. Et ça pourrait être quelqu'un du passé, quelqu'un avec qui peut-être vous n'avez jamais eu d'aventure, mais ça peut être aussi quelqu'un qui revient de votre passé et c'est un ex. Maintenant, on pourrait dire même que c'est un ex petit copain d'enfance. Vous étiez peut-être, parce que quand on est enfant, on peut avoir des sentiments très profonds. Et ben du coup,
Chanel. Du coup, peut-être que cette personne va venir dans votre vie, va revenir dans votre vie, exprès ou pas. Mais peut-être que cette personne va revenir dans votre vie. Ouais. Une personne que vous avez aimée, ou vous avez avoir de ses nouvelles, et possible rencontre. Ça, même célibataire ou pas d'ailleurs. Voilà les énergies d'aujourd'hui. Ou alors vous allez recevoir par exemple, je sais pas, ça dépend si vous travaillez dans une banque ou dans une quelque part ou dans une administration. Eh bien vous allez recevoir peut-être un courrier qui correspond justement à une personne, un ex, une ex. Et puis du coup vous allez pouvoir peut-être retrouver cette personne ou cette personne va venir chez où vous travaillez, peut-être ça aura un rapport avec l'argent. C'est possible aussi. Argent, ça peut être banque, ça peut être administration, ça peut être agence immobilière, voilà. Donc, je pense qu'il va y avoir des choses qui vont un petit peu chambouler cette journée, moi, mais très positif, hein, très positif. Donc, ouais. Parce que si même l'argent ici, si même vous devez le dépenser, ça sera pour aller, pour faire plaisir ou pour vous amuser. Sushi, tu viens de rentrer, il dit. Ça sera pour vous amuser ou pour offrir, mais ce sera de bon cœur. Ce sera pas un... Voilà. Et ici c'est une bonne nouvelle qui arrive vers vous, quelque chose que vous attendez qui est en train d'arriver. Quelque chose que vous n'attendiez plus, qui va venir quand même, mais c'était quelque chose que vous attendiez à la base, hein, qui va revenir. Oui, ou on va vous rapporter quelque chose qui valait de l'argent. On parle aussi ça. Voilà, mes amis, pour cette journée. Donc, je vous souhaite un bon vendredi et un bon week-end. Moi, je prends de congé ce week-end. Les énergies de la semaine à faire. Et puis, je vais essayer ce week-end de un max faire mes jeux, hein, pour envoyer les jeux. Voilà. Voilà. Je serai contente que vous le receviez. Voilà. J'ai hâte d'avoir vos retours. Je vous fais plein de bisous. Et puis, à lundi, normalement. Bisous!